OK, là nous pouvons poser question 2. Question 2, l'injure où il y a des graphes pour dessiner cos of dx avec sec of dx. OK, right? Alors nous pouvons dessiner ce graphe-là, là nous pouvons dessiner ce graphe-là. Il peut nous dessiner la même axe, ou qu'on dessine des différentes axes. Cos dx, on dit quoi, départ, nous pouvons dessiner. Right, as tout bien connu. Comment cos of dx reste, ça c'est x, ça c'est y. OK, y soit tout cos of dx. Mais là, vous faites d aussi la chambre de 0 à 360 degrés, de ça l'intervalle-là. Ça c'est première oscillation. Right là, on fait deuxième. Ok, il y a le termine avec 2 pi. Ici c'est 2 pi. Right là, ici c'est pi by d, la moitié pi. Ici c'est 3 pi by d. Ok, right, ça c'est 0. Ici c'est n, ici c'est négative 1. Ok, right, ça c'est ton graphe. Next, ça c'est mon besoin de signer y sur tout sec of dx. Ok, entre 0 à d pi. Ok, ça veut dire sec, graphe sec x, on va faire d oscillation. Rappelez bien quand on utilise un seul oscillation pour cos, pour ça quand on dessine graphe sec, comment on dit ça? Donc on rappelle. Va être la graphe sec, sec, si l'o n, il fait comme ça. Va être là, là, l'o pi by d, si on a une asymptote. Là, next, ici, l'o négative 1. Là, va être, donc on rappelle. On va dessiner graphe sec x. Avec dernier là, comment tu fais? Dernier bout là, tu fais comme ça. Ça y est, termine l'eau. 2 pi. Ok, ça c'est graphe sec x. Maintenant, pour dessiner graphe sec x entre 0 à 2 pi. Mais à ce moment-là, pour dessiner graphe sec of dx, ça veut dire que sa formule là, il peut faire 10 fois entre 0 à 2 pi. Regarde là, ça veut dire que sa formule là, il peut finir faire de pi. Ça veut dire que j'ai besoin de continuer sa formule là. Ça veut dire que je remets ça là. Je vais inclure ça. Je vais descendre ça ici. Next, je vais mettre un deuxième petit bol ici, je termine le négative n. Next, dernier qui m'a faire. Arrête là, je vais descendre comme ça. Ça, je vais terminer l'eau, d pi. Ok, là, ce qui m'a fait, je prends ça graphe sec. Ce qui m'a dessiné, quand il y a un graphe sec, ça, ça et ça, je vais faire d aussi la chambre pour lui. Arrête là, je vais dessiner un peu plus bien, puis propre. Arrête là, un graphe final. Pour, ça, c'est graphe y sur tout cos of dx, je vais dessiner. Next, je vais dessiner graphe y sur tout sec of dx. Right. Ok, je dessine un peu plus bien. Right. Là, comment je vais trouver l'eau n et négative n, ça c'est des points repères, il est bien important. Et là, sa première partie là. Max ici, right. Le négative n, il fait un maximum point. Next, c'est notre asymptote ici. Et là, next ici, ben c'est le atmax qui peut être sa vidéo là. Je ne veux pas nécessaire qu'on graphe sec, cote avec cosec. Right, là, je vais saisir sine, cos et cot avec une petite modification, une petite transformation, c'est un chiffre ici, soit devant, soit pas, puis ajouter, soit retirer n. Right, là, next, qui nous fait ici, là, cot n, là, divisé même, ça veut dire ici, là, divisé comme ça. Right, là, pourquoi on va manquer l'espace, là? Non, mais nous tracer. Next, on a l'autre bout ici. Et que nous terminons avec là, right, là ça ne peut pas terminer l'eau, d pi. Ok, je vais dire sur la moitié ici, il peut venir l'eau pi. Ici, l'eau pi by d. Et ici, l'eau 3 pi by d, ou soit 1.5 pi. Right, là, c'est ce graphe y sur tout sec of dx. Next, pareil pour question 3, je peux trouver une déjà-dessine graphe y sur tout sine of dx avec y sur tout cosec of dx. Ok, right, allez, nous essayons de dessiner ça. Sine of dx, je te rappelle le graphe là, comment il était. Ça c'est x, ça c'est y. Graphe sine of dx, d oscillation sine. Ça c'est n. X, ça là c'est déjà. Ok, ça il commence le n, termine avec négative 1. Ça c'est d pi. Ici le pi. Ici 3 pi by d. Et ici, là, pi by d. Ça, c'est graphe y is equal to sine of dx. Le ça domine qui est entre 0 à d pi. Entre 0 à d pi. Next, ça, c'est un dessin graphe y is equal to cosec of dx. Ok, c'est encore rappelé, right? Cosec of x. Graphe là, comment tu étais? Cosec of x. Right, là, c'est encore rappelé cosec of dx. Right, là, il fait sa boute là. Right, là, asymptote ici. Ici aussi, y axis là, une asymptote. Right, là. Ok, li. Base de n ici. Là, next, c'est un bout en bas.
Ça vous dit cela pareil, le negative one. Ok. Right là, après qu'il y a une chaîne, est-ce que c'est tout? Non, c'est un petit bout encore. Right là, ça veut dire, nous recheckons un coup, nous confirmons un coup, ce qui graphe là, tu comprends? Ça veut dire, ouais, c'est dans ce petit bout là, avec tu termines avec ici, ça, c'est le départ. Ok, si je t'en rappelle, ça c'est le graphe. Ok, ça veut dire graphe cosec of x entre 0 à départ. Right là, à ça pour faire cosec, non, ça c'est graphe cosec of x. Là, tu n'as pas besoin de graphe cosec of 2x. Et ça faut même vous faire des fois entre 0 à départ. Je veux dire, j'ai besoin d'inclure dans le coin. Mon cas, c'est une finale là-dedans. Attends, je vais vous faire un coin bol ici. Right là, ok. Rappelle bien qu'ici, pour terminer le pi, je veux dire une oscillation de pi. Là, on va faire deuxième oscillation. Ça pi. Ici, ça asymptote là le pi by d. Right là, next, ça asymptote là le free pi by d. Next, pour terminer avec une dernière asymptote. Right là, ça vous dit cela pour venir de pi. Ok, ça c'est le x-axis. Ça veut dire que là, qui m'a dessiné, graph y is equal to cosec of 2x entre 0 à d pi. Right, il fait des oscillations pour cosec ce graph. Right, ça c'est question 3. Next, ça c'est nos gamins graphes un peu plus facile de vous dessiner. Question 4. Right, maintenant vous dessinez graph y is equal to cosec 3 cos of dx. Ok, avec une ligne pour dessiner. Tous les deux, vous allez dessiner le même graph, le même axis, et entre 0 à pi. Je veux dire, attends, nous essayons de dessiner ce graph là roughly. Graph 3 cos of dx. Cos of dx, veut dire que vous faites des oscillations cos. N. Là, vous faites roughly, là, un dessin bout là. Right, là, il termine avec d pi. Entre 0 à d pi. Ça, c'est graphe cos of dx. Supposez le n moins n, mais à cause de la 3, il peut terminer le 3 avec moins, moins 3. Ok, right, et que ça vous calibre le pi. Mais à cette tête, on a pour dessiner un graphe là entre 0 à pi. Veut dire que ça vous dit ça beaucoup éliminer le là. C'est dans ce petit bout là qu'il m'a besoin de dessiner. Entre 0 à pi. Là, on a le taline pour dessiner. X plus, ça c'est graphe qui m'a dessiné là, y égale 3 cos of dx. Après, domaine qui ne doit. Net x plus dy égale pi. Ok, right. Nous avons besoin de la ligne et de la ligne. La ligne nous besoin de des points, d'un table of values. Right. Nous avons essayé de décoller 0 qui peut arriver. Si nous mettons x0, qu'est-ce qui peut arriver? Si nous mettons x0, y pour venir pi by d. Et si nous mettons x dernier point à pi, c'est là. C'est dernier point à pi, côté elle terminé. Si nous mettons x pi, qu'est-ce qui peut arriver? Pi, pi retire pi fait 0, 0 divisé par 2 fait 0. Ok, allez là, ça c'est tout, la ligne. Allez, nous essayons de dessiner. Nous mettons les deux dans le même axes. Allez, nous dessinons le graphe y is equal to free cos of dx. Ok, nous allons mettre un petit scale, ou soit pas nécessaire mettre un scale, parce que nous avons besoin de faire pour le faire. Et pi by d à peu près comme il dit ça, 3.4, nous divisons 5, parce que nous avons à peu près côté liberté. Right, pi divisé par 2, qui fait à toi n.57. Ça dit n.57. Allez, nous mettons un petit scale, nous mettons un petit scale vite vite. Donc, ça c'est n, ça c'est d, ça c'est 3, 0, négative 1, négative 2, négative 3. Ok, le graphe, ça veut dire pour démarrer ici. Ok, bien bon, ça c'est le graphe. Il y a le terminal de pi. Ça c'est le graphe y du label y égale free cos of dx. Next, ça c'est besoin d'inclure le graphe. Ça la ligne là, y is equal to x plus 2y is equal to pi. Ok, des points nous gagnons 0. Quand il est 0, il est n.57. Je veux dire un peu par là. Et pi 0 il est ici. Ok, allez nous rayer la ligne là. On a une petite règle ici. À ça, vous avez dit que ce graphe là commence depuis 0 à pi, pas dépassé parce que vous avez un domaine pour dessiner. Je veux dire, vous commencez là, vous terminez là. Ah là, ça c'est le graphe, nous label vite vite. Ça veut dire que ça c'est graphe x plus 2y is equal to pi. Ok, nous dessinons dans le même axes parce que nous sommes dans le même diagramme. Next, nous allons à la question 5. Question 5 qui est déjà. Sketch on the same diagram, sa graph là et sa graph là. Ok, nous check les roughly comment il était. Graph y is equal to 2 sine of x. Comment il restait ça?
C'est du là qu'il est fait différent. Stretch, vertical stretch. Entre 0 à dépaille. Est-ce qu'il nous donne ça de même lame? Oui. Entre 0 à 360 degrés. Nous travaillons en degrés. 0 degré à 360 degrés. Right là, next, ça c'est y sur le free cos of x. C'est là qui est arrivé. Free cos of x. Ça c'est le graphe. Commence avec 3. Termine avec négative 3. Elle termine à 360 degrés. Commencez avec 0 degré. À ce problème, nous avons dessiné ça de même axes. Dans le same diagram. Alors, on a dessiné le same diagram. Right, si on dessine le same diagram. Suivre. Ça veut dire que tu dessines ce graphe là ici. Tu dessines ton axes. Ça c'est ton x-axis. Ça c'est ton y-axis. X-axis, y-axis. Ok, alors nous faisons un petit scale parce que nous devons prendre jusqu'à 3 maximum, jusqu'à négative 3. Right, là, ça c'est 0. N. D. 3. Next, négative N. Négative 2. Négative 3. Ok, on dessine ce graphe là. Ok, si nous dessinons le premier graphe, ça sine x ça. Il peut commencer par le 2 maximum, fais bien attention. Arrête là. Comme le graphe là, le 2 comme ça. Arrête là. Et qui vous termine avec négative 2. Ok, ça c'est le graphe sine. Il peut le terminer avec 360 degrés. Ok, ici c'est 180 degrés. 90 degrés. Qui a le termine le 2. Et qui descend 70 degrés ici. Next, ce qui est tricky, c'est dans le mettre graphe cos là-dedans. Right, graph free cos of x. Right, il peut commencer avec 3. Qui vient mettre point clé là, important. Le 90 degrés, il peut baisser de 0. Là, il peut passer là. Le 180 degrés, il peut aller le négatif 3. Il peut venir là. Le 270 degrés, il peut venir le 0. Et le 360 degrés, il y a le 3. Ok, là, nous pouvons besoin qu'on dessine ça là. Ok, c'est monté. Ah, là, ça c'est le graphe. Ok, c'est tout. Le label ici, ça c'est y is equal to 3 cos of dx, 3 cos of x. Et ça bleu là, c'est y is equal to 2 sin of x. Next, ça c'est qui l'IP demande toi, l'IP j'ai toi. State the number of solutions of the equation. Il veut dire que là, graphical method to solve an equation. Veut dire l'inéquité ça des graphes là, là 2 sin of x égale 3 cos of x. Veut dire fait comment on va solve ça simultaneously avec graphical method. Dépendamment de la solution là, il y a un number of solutions quand on équate ça des graphes là. Veut dire ça des graphes là combien coûte besoin. Quand on gagne un coup, ça graphe là une zone ici, si on check bien, une graphe là une zone ici. Alors, graphe là une zone ici. Combien coûte et deuxième coûte une zone ici. Veut dire combien routes, il y en a combien solutions qui ça graphe là il y en a. Answer c'est two solutions. Okay, that's it.